Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Attendez. Mise en scène, voilà. À la base, on voulait vous faire profiter de la vue, mais évidemment, je suis en contre-jour tout le temps. J'ai pas mon matériel avec moi, mon projo, etc. Donc, bof, vous avez eu un petit aperçu. On a une vue splendide. Mais du coup, j'ai pas fait cette vidéo pour vous parler des paysages mexicains de toute beauté, mais pour vous parler d'un projet dont certains ont peut-être eu vent. En tout cas, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû en entendre parler au moins un tout petit peu. C'est-à-dire que je compte faire une grosse vidéo pour Freddy versus Jason. J'ai déjà eu l'occasion de parler de tous les épisodes de la saga Freddy, de faire le premier épisode de la saga Vendredi 13, et le but serait de terminer en apothéose avec une très grosse vidéo, beaucoup plus ambitieuse que tout ce que j'ai pu faire jusqu'ici sur ma chaîne. L'idée serait donc de faire une sorte de documentaire slash analyse slash critique slash fiction, métrage fictionnel, entre guillemets, un peu à la Fossoyeur de film, même si ce que je compte faire sera très différent de ce que pouvait faire le Fossoyeur de film, c'est juste pour vous donner une idée du type de format. Et du coup, ben comme c'est la première fois que je tâtonne un petit peu là-dedans, ben je vous ai fait... Ben, je suis venu vers vous avec un sondage il y a quelques temps sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, Twitter et Facebook pour vous demander ce que vous penseriez si ben, je vous demandais de mettre la main à la poche, entre guillemets, si je vous demandais de participer à une cotisation pour pouvoir lancer ce projet. Et j'étais plutôt content parce que notamment sur YouTube, vous étiez 70 voire 70% pour nos amis français à être chaud de financer un projet pareil. Sur les autres réseaux sociaux, un petit peu moins, mais vous étiez aussi beaucoup moins à voter. Donc, ben, je me suis dit, allez, on se lance. J'ai fait une page Ulule, le lien sera dans la description, je vous invite tous à vous y rendre. Le but, c'est que vous m'aidiez à financer cette vidéo. J'ai mis un plafond à atteindre de 3000 euros, enfin pas un plafond, un objectif en réalité, parce que sur Ulule, si je n'atteins pas cet objectif, bah, je n'aurai pas la cagnotte, donc vous serez évidemment tous remboursés, mais je n'obtiendrai pas un sou. Donc, j'ai mis un objectif de 3000 euros qui est genre l'objectif idéal pour pouvoir financer les gens qui participeront et pour pouvoir avoir le matos parce que je compte engager des professionnels hein, avec du matériel professionnel pour pouvoir me seconder dans cette tâche. Il y aura des guests qui participeront et je peux vous révéler le premier nom puisqu'il m'a donné son accord, c'est Alt236 qui aura un rôle à jouer dans la partie fiction. Donc, j'espère que vous serez très content de le retrouver. J'ai des amis à moi très bons musiciens qui s'occuperont de la musique. Original du coup, enfin vous verrez, le but est de faire une vidéo vraiment, encore une fois, c'est le projet le plus ambitieux de ma chaîne, ce sera un travail beaucoup plus professionnel que tout ce que vous avez pu voir de ma part pour le moment sur internet, et voilà, l'objectif c'est de vous faire kiffer un maximum. Et alors, évidemment, pour pouvoir faire ce projet, j'aurais besoin d'acteurs, de comédiens. Si j'en ai déjà certains pour quelques-uns des rôles, il m'en manque, et notamment un très important. Alors, si tu as toujours rêvé d'interpréter le personnage de Freddy Krueger dans une vidéo, dans un film, dans un court-métrage, dans tout ce que tu veux, c'est le moment de participer à un petit concours, un casting vidéo. Fais-nous ta meilleure interprétation de Krueger devant ton miroir, devant ta webcam, devant ce que tu veux. Filme-moi ça et envoie-le-moi à l'adresse mail qui sera dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. J'examinerai tout ça moi-même et potentiellement organiserai un casting live avec les meilleurs d'entre vous. À moins que je trouve vraiment une perle et que je la contacte immédiatement pour lui dire « tu as le rôle ». Si vous avez des questions concernant les modalités, n'hésitez pas encore une fois à les poser en commentaire. Donc, je recherche le Freddy Krueger parfait parmi vous et j'attends vos interprétations avec ou sans maquillage puisque nous nous chargerons bien évidemment nous-mêmes du look du personnage. Donc voilà, si vous êtes motivé, si vous êtes un acteur dans l'âme ou si Freddy Krueger est, comme pour moi, l'homme de vos rêves, n'hésitez pas à vous lancer dans ce petit concours et pourquoi pas, je ferai une vidéo des meilleures interprétations de Krueger qui m'auront été envoyées s'il y en a suffisamment d'intéressantes. Donc je compte sur vous pour être nombreux à participer. Et on se retrouve d'ici une trentaine de jours pour vous parler des résultats et pour vous annoncer qui sera le comédien pris pour ce tournage. Donc merci d'avance à ceux qui participeront et bonne chance à tous. Alors, je sais, beaucoup d'entre vous n'auront pas envie ou ne pourront pas participer et il n'y a aucun problème, personne n'y est obligé. Déjà, là, la cagnotte Ulule a été lancée il y a à peu près 2 jours et il y a 800 euros qui ont été mis dessus. On a dépassé 20% du taux total des 3000 euros finalement. Et c'est génial, en 2 jours. Donc, je ne peux que vous encourager, si vous avez envie de voir un tel projet, si vous appréciez mon travail, à
participer à cette cagnotte. Chaque euro compte. J'ai 60 000 abonnés, si seulement la moitié met 1 euro, ça fait 30 000 euros. Donc je sais que dans les faits, ça ne fonctionne pas comme ça, pas de problème avec ça. L'idée, c'est d'un petit peu relativiser le fait de cotiser pour un projet de ce genre. En tout cas, un tout grand merci à tous ceux qui ont déjà participé et à tous ceux qui comptent le faire. J'espère que vous serez nombreux à m'aider. Il y a des contreparties, elles sont pas énormes, elles sont pas incroyables. C'est pas pour ça que vous le faites, c'est pour vraiment pour financer la vidéo. Je mettrai toute mon énergie dans la vidéo. Maintenant, j'ai fait une petite erreur sur le Ulule. J'ai dit qu'il y aurait que 50 masques de Jason disponibles pour ceux qui donneront 20 euros, à partir de 20 euros. En fait, non, hein, c'est illimité. Donc même si vous voyez qu'il n'y en a plus, juste signalez-moi que vous avez fait un don de 20 euros et voilà, je vous le parviendrai, je vous le ferai parvenir. C'était une erreur de ma part, je ne savais pas que je ne pouvais plus modifier les contreparties par la suite, ce qui, après coup, me paraît logique en fait. Donc voilà. Les techniciens, ils sont prêts, le matos, il est prêt, tout ce qu'on attend, c'est le budget. En plus, je continue de faire des rimes, putain, le mec... Il est trop fort, trop de talent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde dans les commentaires. Si vous n'avez pas envie, ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Si vous êtes chaud, même 1 euro, bah, ça peut compter, franchement. Donc, un tout grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère qu'on pourra mener ce projet et que vous serez content du résultat. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle critique ou un nouveau Bestiaire de l'horreur. Je vous laisse la surprise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous.